Hello, c'est Mike Imprezia, le maître de l'angoisse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour quelques news qui vont arriver durant l'été. Alors, durant la fin et la suite du mois de juin qui est en cours, d'ici quelques jours, il y aura une nouvelle série qui explique un peu les tueurs en série, ce qu'ils ont fait, leur histoire, s'ils n'ont pas été arrêtés, c'est les suspects comme Jack l'Éventreur, qui sera le premier épisode. Je pense faire un épisode aussi sur le tueur du Zodiac, car c'est un tueur en série qui est très fascinant, très mystérieux. Courant juillet, il y aura une petite pause des légendes urbaines, et je pense faire un peu plus de Creepypasta, Origine du Mal et Chronique de Spooky. Et courant août, alors trois nouveaux podcasts vont arriver, et il y aura également un nouveau défi. Alors, les trois podcasts, ce sera, il y en aura deux d'une durée assez courte et l'autre d'une durée un peu plus longue, je ne sais pas encore combien de temps. Donc, ça me perturbe les bestioles qui est ici. Donc, j'en ai tout, les podcasts. Donc, il y en aura trois. Le défi, ce sera en lien avec le troisième podcast. Je ne sais pas s'il arrivera avant ou après. Et donc le rythme des vidéos va un peu s'accélérer vu que maintenant je suis en vacances. Ça y est, j'ai passé mes examens du BEP, le bac c'est l'année prochaine. J'ai passé mes examens, du coup le rythme va s'accélérer. J'aurai plus de temps, j'aurai tout le temps que je veux pour faire des vidéos. Donc je pense pendant l'été revenir à peut-être une vidéo par semaine. Peut-être de temps en temps plus si les vidéos iront vite à monter. Alors oui, je suis parti en extérieur parce qu'on m'a souvent demandé est-ce qu'un jour tu vas bouger le cul de chez toi. Et bah voilà, j'ai trouvé cet endroit sympa. Et si vous avez d'autres endroits à me proposer, n'hésitez pas, une forêt, des trucs un peu angoissants que je pourrais aller tourner la nuit cet été pour bien faire peur. En parlant de la nuit et de faire peur, cet été, je vais peut-être aller dans mon projet de l'année dernière de Halloween qui était de passer la nuit dans une maison abandonnée, entre guillemets hantée, on ne sait pas encore, on va faire une enquête. Donc dites-moi aussi si vous attendez cet épisode autant que moi, si vous le voulez plutôt juillet, plutôt août. Et également, qu'est-ce que j'allais dire après? Je ne sais plus. Oui, si vous avez des questions à me poser pour une prochaine FAQ, faites-le en commentaire ou envoyez-moi des mails ou sur Facebook. Mais surtout, bonne journée.